Jeudi, c'est 30 octobre 2024. Mesdames et messieurs, gros point au cap dominé actualité à nous tout connaître. C'est dossier élection cap brasser bill pays les États-Unis. Donc, nous gagnons après-midi un état clé au cap préparé pour gros vague violence dans pays États-Unis. En pile, mon a demandé est-ce qu'on peut déboucher sur une guerre civile, quel que soit monde qui gagne, élection si là. Et tête chargée pire dans le domaine élection. Nous avons fanatique Donald Trump qui tombait volé et enseigne Kamala Harris puis le bord Kamala Harris jusqu'à ce que fanatique Kamala Harris obligé mettre GPS, yo obligé mettre caméra de surveillance pour yo capable qui moun cap volé enseigne yo comme ça. Mesdames et messieurs, drôle de coïncidence, il est tombé sur un jeune garçon qui chargé avec un paquet enseigne Kamala Harris et bien et non machine ni monsieur jeune garçon ça li marché volé tout enseigne et bien Kamala Harris mesdames et messieurs son bagage pour l'état ta gen yeux sous li son façon pour moun pas pour moun pas jouer enseigne yo pas encourager de dossier élection pour pas ta voter Kamala Harris son bagage triste soit regarder là et tout à l'heure m'cap montrer comment situation yé soit regarder jeune garçon ça non image ça d'ailleurs ou après grand pile enseigne Kamala Harris non des machines ni et bien c'est fanatique Kamala Harris yo qui obligé par contre qui ça pour yo faire encore yo vinn découvrir jeune garçon ça grâce à caméra grâce à GPS yo mette nan enseigne yo. Est-ce qu'on a qui problème qui ça fanatique yo fait juste pour yo capable river empêcher madame nan gagner élection? Franchement, mesdames et messieurs, et l'histoire triste, dans le pays de l'Espagne, en pile moun mouri. Pendant que gen fête l'entour, mais dans le pays de l'Espagne, bagay yo pas facile du tout. Si ou kap jete un coup d'œil, pendant que m'a parlé là, ou kap wè gen en pile problème dans le pays, ya, qui sa gen gen pile de l'eau, gen pile en pile de l'eau, gen gros inondation qui gen en fait plus que 70 morts. Ça passe dans une ville qui est Valencia, dans le pays de l'Espagne. En pile moun attrapé en dedans la caillou, en pile machine, c'est palop, pile sous pile, hélicoptère en l'air tout gens. Donc, moun force de secours, genre le yo, rescue yo, pompier yo, y a essayé de garder comme un cap sauver la vie qui est green. Moun même pral kite ou tande, pral kite ou gade, pral kite ou wè image à comment situation li même lié et gen dans l'autre ville moun yo kap santi vague la pluie, mais plus précisément dans Valencia c'est vraiment tête chargée. Mesdames et messieurs, m'a pas courage sous la kawap la prière, pas oublier moun sa yo parce que yo non situation qui vraiment déplorable nan moment m'a parlé là. Priez pour yo et puis ça pas perdu. Priez pour yo, ça pas perdu et vous pourrez louer ça tout à l'heure. Franchement, et c'est bagaille qui vraiment triste. Nous gagnons Donald Trump, mesdames et messieurs, qui fait des grandes déclarations. Monsieur a fait connait si toutefois il vini président aimer et l'Europe pour le payer un prix élevé dans dossier douane. Ça veut dire c'est le Donald Trump contre le monde qui pral gain là. En pile question à poser, en pile bagaille trust me, c'est bagay pour t'aider à pop zoreyou. Kamala Harris lui-même, lui promet pour le capable, servir avec tout, ou t'étendez le matin, bien sûr, pour le servir avec tout le monde. Lui dit la travail avec ni républicain, ni indépendant, ni monde qui vote pour lui, ni monde qui pas vote pour lui. Et contrairement avec Donald Trump lui-même, de pour pas voter pour lui, ou c'est ennemi intérieur. Radio Canada bien yo nan yon émission yo expliqué danger raison pour laquelle Elon Musk le supportait Donald Trump. Franchement, si tout le monde te comprend pour qui ça Elon Musk te supportait Donald Trump, tout le monde t'a couru quitter parti républicain. Mesdames et messieurs, les États-Unis sont vendus au diable. Bagay yo triste, bagay yo compliqué, yo difficile. Et mais Kamala Harris by dernier discours hier soir, c'est bagay tête chargée. Les maps du dernier discours hier soir là, c'est un autre discours, yon l'autre côté qui me pral quitter autant encore parce que Kamala lui-même, c'est une nan bagay et moun pral manquer. Oh oui, franchement. Kamala c'est nan bagay moun pral manquer dans pays après campagne là, tout moun a pas envie retarder Kamala
Harris encore et parce que campagne Kamala Harris là li pote en pile joie li pote en pile qui est content moun yo senti y a vive moun yo senti yo bien même si ou pas parle anglais ou pas besoin parler un petit grain mot anglais ou a regarder visage fia et ou senti franchement li pote un changement dans la vie moun yo qui était déjà très 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 stressé ou pral tande ça tout à l'heure dans même petit morceau vidéo si là y a l'autre phénomène oui l'autre phénomène est-ce que n'a pas arrivé dans toute beauté c'est moun pas mouillé n'a pas garder pour moi ça ne café gagné Caleb James William 18 l'année qui joue dans arrestation et après il t'est fin lever manchette li en l'air pour être capable contrarier électeur dans bureau vote anticipé dans état Florida gagné enterrement femme voyant dans pays d'Haïti qui chantait jodi mesdames et messieurs plus tout ça avec plus nous pral débattre pral détailler pral couper rache mettre dans assiette pour après-midi. Qui t'aime salut ou non? Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous êtes? Je m'espère en forme. Si vous regardez la vidéo, ça, nous l'a toujours bien sûr. Nous disons papa bon Dieu qui est dans celle-là. Gros bout de merci qui fait un cadeau. Un jour en plus. Non, PAM, c'est MPH. Zami Mioré le MP. Ma belle Hélène MPP. L'autre boule sur qui vous toujours à chercher. Un nom pour vous. C'est tout un plaisir pour me passer, pour me fournir non information. Soit bienvenu ou vous pouvez vous abonner. Abonnez parce que ici on bosse pas dit non c'est plus bon pour pas agacer l'autre monde même pas quoi gain deux cap fait travail n'a fait non façon n'a fait là non j'en a fait là nous même nos gon gens on fait bagaille pas nous nous fait bagaille pas nous non gens pas nous donc là que n'a bon information non pas seulement bon information nous montrer information donc ou pas monde qui n'a ti yo dit donc ou t'entendre un bagaille te dit un côté non c'est pas MPH dit bagala dans nouvelle et moi quand elle dit dans nouvelle là c'est l'organe garanti le wap parlon côté et ça belle là c'est grand monde nous accueille ici et grand monde pas jouer nous gon respect énorme pour monde qui branche pour monde capteur de nous parce que c'est où que fait moyen donc on pas gain droit encore respect ni un jour mesdames et messieurs et nous c'est pas seulement former nous former tout et puis nous motiver. Avant de dans le détail, n'a pas rappelé moun l'huile de prospérité, avec l'huile de fertilité, avec l'huile de purification ou bien l'huile de désenvoûtement. Donc, sous recevoir comme l'huile de désenvoûtement, c'est lui-même qui l'huile purification. Il fait à base d'isope, il fait exactement en Israël, produit par nous, il fait en Israël, et il fait par une non compagnie, donc qui vraiment est en popularité dans de ces ventes, genre de produits spirituels. Si la yo. En moins gain deux pour tout le monde qui fait commande yo, gain deux nan produits qui disponible déjà dans warehouse panouan. Donc nous gain deux qui disponible déjà. Donc si ou même ou pressé ma voix pour, mais c'est parce que nous allons payer un lot shipping dans l'autre green nan. Et gon green nan c'est faire l'autre green nan c'est fertilité. C'est lui même on va utiliser en troisième position. Première étape qu'on prend là, c'est une grosse étape ou prendre en vie pour capable mettre tête ou dehors parce qu'on décide pour dire non à la misère, oui à la richesse. Bon Dieu, pas que personne pour vivre dans la pauvreté. Et l'huile de purification, moi, foncé d'expérience avec l'huile isope là ou bien l'huile de désenvoûtement, c'est des expériences géniales, guys. C'est des expériences géniales et bon garantie. Donc, conseil de contact nous fait, conseil de relations nous gagne, conseil de frottement nous fait, nous ramassons pile vie misère marcher derrière nous. Franchement, et m'pa katonne pour me voir produire ça au bail Mathieu. Moi, j'ai l'autre stock qui arrive aujourd'hui, hein, qui arrive hier. Moi, j'ai l'autre stock tout qui arrive, qui arrive demain. Si Dieu veut, dans l'huile de purification, l'huile de prospérité, et puis stock l'huile fertilité, il y a privé et le jour cap 4 novembre. That's why que beaucoup vous les 4 novembre, il y a privé. À partir de 4 novembre, donc tu as fait tout shipping. 4-5 novembre, disons 5-6 novembre, tout le monde, 5 novembre c'est élection, 6 novembre, 7 novembre, tout le monde doit déjà recevoir et bien shipment yo la caille. Ou cap continue faire et commande parce que nous avons l'autre stock qui arrive parce que ça n'est pas au fin de vente. Et
tout moun fin order yo, ou même ou capable ou capable faire commande partout. Moi encourager une servir avec trois huiles ça, c'est trois huiles très efficaces spirituellement. Fait en cou soud pour moun ki zou gen folie pour millionnaire yo parce que vle pas vle guys même raï misère et faut que moi dou ou gen chance jwenn moun ki konn ki ça pour l'offrir parce que moi-même avant m'te rivé faire découverte yo, mon cher m'te fan pile et démarche. En pile démarche jusqu'à ce que m'jwenn ça fonctionne ya. Donc lèm dou m'a promet ou ça fonctionne ya son chance ko gen parce que moi m'pa te connais le commencement. Donc libre pour moun faire route là avant et yo même pour yo dou mes côté exactement pour passer pour mettre tout dehors. Trust me, et dans deux, dans trois à six mois, faut commencer ouais des changements spirituels qui pral déboucher sur des changements économiques dans vie. Parce que richesse, c'est base là, c'est base spirituelle liée. Richesse là, son base spirituelle. Tout reste là, c'est pas l'empile. Si vous pas débloqué spirituellement, tout bagage style bloqué. Non mais on. Donc mon gon l'autre produit super efficace mais li même li mandé faut que moi gagne travail pour me faire avoir personnellement li un petit peu vinn plus difficile parce que le mandé m'en pile temps. Donc son produit que on va acheter mais s'il pas activé il pas avoir rien. Donc activation c'est lui même qui problème non parce que faut qu'on active elle. Et faut que au bon niveau spirituel qui est un petit peu plus avancé également faut pas un monde c'est dans religion quoi faut un monde qui spirituel monde dans religion presque pas fonctionner avec eux faut que son monde qui spirituel pour monde qui dans la religion que pasteur m'te dit 10 pasteur m'te dit that I don't deal with those kind of people parce que pasteur là c'est de dimouyo le vivre donc ou même la bloque pour gain comme elle vivre de dimouyo qui sont bagaille très très difficile vie ça se dégage pour mettre tout dehors pas pour condition avec diable pas entrer dans vieux bagaille pas bail sans et mais quant à ou même tout ça dépend de ou pour mes non spirituel pour débloquer espace là ciel là pour la bénédiction sur c'est faire lier petite parce que secret Salomon yo toujours là donc si vous intéressé ou avez toujours numéro zèle moyen et sous télé sous vidéo ça à côté li encore et pour comparaître non bon me chercher le pour mettre le pour parce qu'il a su là nous charger timoun et timoun poser couyo pas vinn là non depuis hier m'ta go sel zpz clé cou en bas vidéo là non son sel c'est clé cou gi en bas live moi c'est clé cou il m'a posé une question est-ce que m'pa konn bay clé cou moi timoun nan nous pas mal dans prison qu'on y a là. On malheureux, non, tout souffrant déjà. Normalement, des mondes bon nous clé coup. Donc, moi c'est que, non, je veux qu'à venir, on va aller dans pile monde sous cabane. Et nous allons dans pile monde sous cabane. Nous allons dans pile monde sous cabane. Maman petite, c'est ma révolte. Parce que, si mesdames, vous venez avant clé coup. Ni monsieur, là, m'a dit c'est clé coup. En bas vidéo, mes amis, et faites très attention. Ok? Faites très attention. Taba e clé kou nou, OK? Moi j'ai envie mourir, moi-même, m'ai pas envie touyer. Son mon envie mourir, al chercher quelqu'un envie touyer parce que moi-même, j'ai pas envie touyer, relem MPH. Pa ki ça me commencer là, nouvelle est tellement pile. Dis-moi, d'ailleurs moi bon conseil pour dire MP, pa ki ça pour commencer. Donc, bon commencer par une nouvelle c'est que les bon commencer par le commencement la plus beau pour moi mesdames et messieurs les états clés donc les swing states état qui est pral décider de élection eh bien yo commencé parer pour des en pile vague de violence. Depuis qu'il est, les États-Unis ont commencé à préparer pour violence dans l'élection. C'est depuis l'année 2020. Eh bien, yal prend un homme d'affaires qui est Donald Trump, qui t'a réglé toutes affaires comme lui depuis le petit moun jusqu'à ce que nèg l'arrive jeune 73-74 l'année. Et puis, laisse al pa l'autre bagaille pour le faire, c'est dans politique pour le vini. Depuis là, les États-Unis pral faire une expérience pas gagner passation de pouvoir pacifique encore. Donc, c'est dans goumé pour tout le monde accepter qu'elle gagne ou bien le perdu. Donc, on est dans le domaine élection américain, monde qui gagne, de pourtant de monde n'a gagne pas. Donc, jouet là terminé. OK? Monde qui gagne, monde qui perdu a gagné pour le marché, pour le bon en main, et puis pour le féliciter, ou bien pour le reler rapidement pour le féliciter,
l'Amérique gagne. C'est comme ça bagalaté longtemps. Laisse les politiciens qui te rentrent dans la politique. Nous avons une dernière génération qui vient, donc c'est homme d'affaires, c'est musicien, c'est nègre ça au nom, ouais, c'est dealer, c'est gens de nègre ça au nom qui viennent paraître dans la politique. Dans le pays d'Haïti, même bagaille tout. C'est ça que fait, ouais, je dis à là, non tout net, non chauve, parce que tête non tout calé. Eh bien, c'est consalvin dans l'Amérique également, c'est pas juste politicien, donc une série de lois commence à violer. Et, gon bagay nan politisi, nan homme d'affaires, non même c'est jeu pour gagner. Ok? Et ça fait que, m'kon dit avec des jeunes qui kon gen chance parler avec moi, m'kon dit yo que si que ou croisez avec un homme d'affaires, li vle marier avant ou bien vle fiancé avant, li vle whatever avec ou. Homme d'affaires, premier sal gade nan ou se potentialité sur kap pote nan business li. I want you to know that. Ok, you might be lover ou ka whatever you are, ou ka son monde qui amoureuse, ou ka dis ou ka date, ou ka show, ou ka fret, ou ka chauffeur, ou ka excité, ou ka voue belle vidéo. But, ça plus important, qui sa wap pote pour li nan business li? Li pa ge bag l'autre bagay qui plus important que sa wap pote nan business li ya. Après ça, sensation vini. Parce que homme d'affaires, il y a l'argent qui fait au marché, malheureusement. So, that's why Donald Trump, c'est l'argent tout qui fait le marché. Il rentre, il n'a pas joué pour le perdu, il a joué pour le gagner. Donald Trump vient la pays à nos quatre choubombe. Je dis là, des États-clés qui ont décidé sous élection, obligés à faire des préparations, ils ont dit pour le pire et ils ont espéré le meilleur. C'est ça, Dame Saadi. Il a fait des préparations pour les pires et il a espéré le meilleur. Dans Detroit, il a pris un pile pression. Donald Trump a un pile pression. Il fait peur, mais il a fait qu'on est même. Il a pas pris pression, il a pas peur. Il a fait des préparations. Donc, quel que soit Moon qui gagne élection, il espère que les États-Unis, toute bagaille, a sorti bien. Approche élection, yo, selon yon plus gros journal agence nouvelle dans pays ya, eh bien approche élection américaine, yo, responsable état qui plus compétitif, yo, ya préparé yo pour désinformation, théorie du complot avec menace éventuelle violence. Yo obligé pour un paquet et pour un paquet décision là pour éviter n'importe ça qui arrive. Dans Philadelphia, Detroit, Atlanta, c'est trois dans cible favori donc ancien président Donald Trump pour des fausses allégations de fraude électorale. Autorité yo renforcé opération pour éviter répétition ça qui t'est passé, chaos qui t'est passé dans l'année 2020. Entrepôt de dépouillement, au côté a fait dépouillement, bulletin de vote dans Philadelphia, yo désormais entouré de yon clôture surmontée de fil fait, de babelé. Dans Detroit, Atlanta, quelques bureaux électoraux protégés par des vitres par balle. Est-ce que vous entendez? Vite blindé, yo obligé à cause Donald Trump qui te fait fanatique, yo prend la rue, fait gros désordre, yo obligé mettre vite qui blindé sa balle pas ka percer. Dans Wisconsin, travail électoral, yo formé, yo te formé aux techniques de désescalade, c'est-à-dire faire des espaces. Yo formé tête yon jan, si ta gen toublay côté pour yo passer pour yo courir dans jour élection. Mesdames et messieurs, comme konnen on va là pour 2 heures 3 heures temps, ma bonne information mais c'est pas triste oui. Ça veut dire que moun yo pa nan calme du tout, les États-Unis tête en bas parce que c'est toute préparation qu'a faite pour la guerre Jean Balaré là. Dans Arizona, te gen en pile fausse allégation républicain côté te dit que te gen fraude etc. bien que pour que jamais gen preuve. Actuellement, dans dossier élection dans pays États-Unis, yo obligé à faire préparation pour bataille, pour la guerre, pour combat à cause de un monde qui relé Donald Trump qui pa gagné pour le perdu. Ces dernières élections ni et lui-même JPP Jean le passé. Jean m'tap di ou tout à l'heure bah la vraiment triste ça qui a passé là côté que et nous joignent une série de républicains et mais une série de républicains et moun sa yo yo prend plaisir nan voler et mais enseigne et panneau et Kamala Harris yo. Jean wap gadel nan ti morceau vidéo là et mais c'est moun qui commence garder chaque gen moun pendant 4 fois yo parce que ça c'est pas cadeau fait cadeau. C'est acheté ou acheté yo. OK, c'est acheté ou acheté yo. Yo même yo utiliser comme ça pour yo joindre faire campagne.
Mesdames, ça l'a expliqué. Et chaque fois, l'acheteur de Kamala Harris mettait dans la zone la Kaili, il a perdu. Chaque fois, l'acheteur, il a perdu. Finalement, il dit non, enough is enough. Il faut que nous passions à l'action pour nous connaître ce qui s'est passé. Il a obligé à mettre une caméra de surveillance, une part. Et d'autre part, il a obligé à mettre GPS. Donc, bagaille, monsieur, pas capable de détecter, non pas nous. Pendant qu'on mette GPS et puis on qui perdu là yo suivre un GPS là y a le joindre le GPS là mené yo dans machine ça ou regarder là et c'est là yo regarder yo joindre machine ça li plein panneau Kamala Harris yo que moun yo volé juste pour l'autre monde pas voter donc pas ouais en sait yo pour empêcher campagne là li fonctionner bien pour Kamala Harris mesdames et messieurs ça veut dire nèg ki rele démocrate yo et gros coquin ou capable yo c'est bon gens coquin ouais this are stolen Harris board OK so ce sont des bagailles Kamala Harris donc moun yo même yo rive voler tout ça isa yo OK donc OK Harris Walls yard size c'est bagaille moun y acheté yo maintenant yard yo yo maintenant la couyo et mais voilà comment que et quand bah il s'est passé un BH en garde nouvelle là donc fatigué de weapon 4 Kamala Harris disparaître dans la couyo dans Springfield dans Missouri et dans dans Missouri gen Laura Maskaskill il était installé un dispositif de localisation sur une là dans pour tawe qui côté bah là aller. C'est après le conduit à Berlin qui a bleu. À yon Berlin en qui a Berlin bleu dans yon ville voisine. Ça veut dire donc ville on l'autre là prend responsabilité pour passer dans toute zone pour voler bagaille Kamala Harris. Quand un jeune homme lui t'a admettre qu'elle t'a volé panneau Kamala Harris yo, elle t'a gagné l'autre dizaines l'autre encore. Selon vidéo qui virale et bien yo joine dans en deux machines monsieur te chargé ak bagay Kamala Harris. Non pa konn si plein ta pote sa ka fèt nan aproche élection 5 novembre nan tri Harris et Republikyo. Donc Republikyo même yo mette tout fòs yo deyò, tout talan yo deyò. Ça veut dire moun ki intelligent. Intelligent ça que les républicains c'est même Jacques politicien haïtien yo intelligent. Donc là et le monde en danger. Mesdames et messieurs, sou ka priye priye. Là c'est l'espace. OK, là et après campagne n'a tourné oui dans Kamala Harris, n'a tourné parce que Kamala Harris et dernier discours ça avant hier et même pral hier disons, m pral kite au temps de li, pas ça matin parce que m pas de capacité ça matin tellement Kamala Harris hier était passé journée vraiment surchargé. You're gonna hear that et that very 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 excited. Donc bon me retirer parce que en pile fois le messager est plus important que le messager bon ou elle m'pas besoin retirer encore voilà ça qui a passé dans pays l'Espagne non moment m'a pas la voilà là et moun l'Espagne yo en bas de l'eau moun l'Espagne en bas de l'eau mesdames et messieurs c'est pas des cailles qui crasé c'est pas des grandes moun qui gagne temps mourir c'est pas des bagailles qui disparaître bagaille yo difficile et yo compliqué. Jean cap gardé mais faut soutenir ce couyo, c'est craser ap craser porte pour y rentrer. Là on cap gardé ap chercher moun tout en batte, tout en barragé et mais moun glo et enterré pour craser, glo passer sous yo, son bagay triste, son bagay extraordinaire, ça on cap gardé cap passer dans pays l'Espagne là, plus précisément dans Valencia. Comment lié? Il y a au moins 72 personnes qui ont mouru dans l'inondation, qui plus meurtrière qui ont frappé le pays l'Espagne depuis plus de 3 décennies. Après, il y a eu pile la pluie qui tape saute, qui tape tombé dans le pays, dans la zone Valencia. Valencia. Donc, la pluie ça a porté pont aller, l'hypothèque caille aller. Donc, d'après ça, l'autorité a annoncé jeudi, mercredi. So, météorologique yo annoncé que la pluie abondante de l'année li était tombé à 8 mardi dans quelques parties dans Valence qui provoquait un embouteillage sous autoroute qui submergé. Donc mesdames et messieurs, donc au lieu que m'ta dit ou bagaille qui écrit bon qui te jette ton coup d'œil
sur quelques extraits de vidéos donc qui passait ou connaît grâce avec TikTok médias sociaux yo coulier les gon événement qui a passé moun ka wè ça qui a passé là c'est vraiment triste ça qui a passé dans pays l'Espagne là that's why que moi encourager pour me dire ou prier en pile et pour moun nan pays ça est-ce que n capteur de tout MP et oui ou te promet nous ou a fait entendre comment crioyer but laissez-moi mira se desbordando ya el puente de la Costa Torrente. Madre mía, mira, acaba de desbordar ahora mismo. Mira la que crecía, papá, mira la que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira, mira la calle México, mira la calle como va para abajo, de agua. Mira la furgoneta baja por ahí. Mamma mía, la crecida como viene. Voilà, et au cabo qu'on est là, et la nuit. Les choses sont extrêmement compliquées. Comment de l'eau, côté de l'eau, prend une pile machine, mais les bagailles actuelles qui ont passé là actuellement, normalement, on va pas avoir là. Voilà. 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 Et ça, c'est dans Valencia. Monsieur Jalcole. C'est en collège, en l'école. Et mes de la Torre. Meni. Ah, c'est ça, moi. Voilà, on comprend clair. Même mes amis, même. On est comme allié dans Valencia. Situation extrêmement triste. Estoy metida en esta planta. Que esa son pie parce que de l'eau après la. Es lo que me está ayudando a coger la enfermedad. Donc là et ce petit pied bois, il fait noir, pas de personne. Nada. Nada. A mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar. Chicas, asomaros del berro. ¡Ay, Dios mío! ¡Loli! ¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura. Estoy flipando. ¿De dónde sale tanto juguete? El coche se va a la mierda. El coche se va a la mierda. C'est pays l'Espagne, bah ça, ou regardez là, lui-même, lui a passé, c'est pays l'Espagne, eh bien, situation ça lui-même, lui a passé là, côté gain, plus que 72 monde qui étaient mourir, qui disparaissent, en pile machine de l'eau poté aller, en pile qu'a écrasé, et l'État obligé prendre une série de endroits pour loger moun sa ou, gen yo mette nan hôtel, et parce que ki pa gen kote pou yo rale, ki perdi kayo, ou du moins kay la li vraiment endommagé, mesdames et messieurs. Donc la nature a fait travail, ou di ça fait des décennies que pays l'Espagne pa jam konnen yon bagay kon sa. Donc yon bagay kon sa. Donc nan moun ki nan zone Madrid yo même yo kap senti impact la, ou kap senti effet a, depuis hier gen pile la pluie cap tombé en pile la pluie a tombé mais plus dégâts c'est dans zone Valence c'est dans zone Valence Valencia et bien et situation ça lui-même lui il est là non moment Donald Trump est un homme contre le monde, un seul homme contre le monde. Franchement c'est non cabré le monsieur l'incroyable Donald Trump yon nèg qui gon qualité là kaili qui pas prend pouvoir nan bay moun nan fait belle promesse. OK? Monsieur fonce des promesses de feu, promesses
méchant. C'est comme ça le fait campagne. Ça veut dire, ou voulez voter ou voter. Ou remet pays ou pas voter. Ou pas remet pays ou voter. En parlant de remet États-Unis, ça n'a pas gagné pour louer avec remet États-Unis. Ou cap ça te viré tout ne politique Donald Trump, là, son politique pour craser pays en lié. Parce que mettre tout le monde de cap travail pour une série d'entreprises, augmenter taxes, on paquet de employés, et puis diminuer taxes pour les gens qui sont riches. Donc, franchement, ce sont des politiques qui ne peuvent pas gagner pour louer avec remet pays. Qu'on y a, monsieur attaqué l'Union européenne, l'Europe en général. Monsieur fait qu'on est Europe pour aller payer des prix élevés. Donc, si toutefois lui-même et des prix élevés à la douane, si toutefois lui-même est devenu président. Parce que nous connaissons Trump, c'est sous cob là basé. Candidat républicain et pour poste président américain Donald Trump, il a déclaré ça hier mardi, l'Union européenne doit payer un prix très élevé pour ne pas acheter suffisamment d'exportations américaines si toutefois elle remportait l'élection 5 novembre. Puisque l'Union européenne n'a pas acheté suffisamment de produits qui sortent des États-Unis, parce que nous connaissons aujourd'hui à tout le monde a acheté la Chine, les États-Unis, tout, lui-même n'a pas acheté, et il n'a pas fait des États-Unis. C'est la Chine l'a acheté, puis il mette étiquette sur eux. Donc, ou même pour l'acheter, il a mis 10 fois la valeur. Je vais vous dire, l'Union européenne semble si belle, si charmante, n'est-ce pas? Tout joli petit pays européen ça qui rassemblé déclaré Donald Trump non rassemblement dans l'état clé Pennsylvania après il te promet pour te adopter la loi sur le commerce et réciproque. Donc lui-même li pral gon loi sur commerce réciproque m'acheter ou acheter. Ils ne prennent pas, yo pas prend voiture nous yo, yo pas prend produit agricole nous yo, yo vend des millions de voitures aux États-Unis. Non, yo doit payer un prix qui est très haut. C'est ça monsieur dit, tout promet pour imposer des droits de douane de 10% sur importation provenance de tous les pays et 60% sur celle en provenance de Chine. Mais ça yo pral affecter chaîne approvisionnement du monde entier, ça pral déclencher probablement une représailles et une augmentation le coût d'après sa économie si on fait qu'on est qui ça gagne. Donc si jodi a moi pour ton machine qui coûtait $100,000 ou dit pour que me dédouaner il faut me payer $50,000, donc faut que moi vendre machine ça à $200,000. Faut que moi vende machine ça à $200,000 ou bien 160 180,000 $. Qu'on y a qui est capable encore peuple là. Et li te déstabiliser Taïwan, pays démocratiquement gouverné. Donc c'est tout le monde qui gagne la peur aujourd'hui à qui ça Taïwan pral devenir, qui ça Ukraine pral devenir, qui ça Israël pral devenir. Donc avec monsieur ça si toutefois li t'arrive président, c'est le monde en bas problème. Et le contraire, Kamala Harris lui-même lui promet pour le capable de servir avec tout Américain. Jean Taptadel dans le discours matin. Donc, candidat démocrate Kamala Harris lui promet mercredi pour le capable de servir avec tout Américain. Si toutefois lui-même lui devenu président des États-Unis. Quand vous avez voté pour lui, quand vous n'avez pas voté pour lui, tout le monde c'est monde, tout le monde c'est Américain. À la ronde badée, automatiquement, ou c'est président des États-Unis, ou c'est président tout Américain. Sans aucune distinction et dans cas ça pas aucun moyen pour que lui-même li mette et yon moun de yo. Nous gagnons et bien le monde entier qui a posé gros questions mesdames et messieurs. Donc sous dossier Elon Musk là et sous dossier Elon Musk là et en pile question à poser pour qui ça monsieur a et bien monsieur qui relait Elon Musk la suivre Donald Trump d'après expert yo. Donc Elon Musk son nèg cap acheton pouvoir l'argent comptant et si toutefois pas rien qui fait tout ça lui-même lui prend pouvoir donc faut qu'Elon Musk tire des millions de dollars lui pour qui ça est-ce que bagaille ça cap fait là est-ce que c'est pour grand merci yo dit non c'est pas pour grand merci Elon Musk pas jamais
dépenser l'argent pour grand merci tout cob ou Elon Musk dépenser li kon côté pour aller rentrer et cob li dépenser dans Donald Trump qui côté pour rentrer dans des peuples là on pour aller quitter entendre audio pour nous capable éviter et bien et pour nous capable éviter ça trailer copyright mesdames et messieurs nous pas temps aujourd'hui pour nous parler de police nationale mais n'a parlé de comment et monsieur yo même pendant que la police a bay blague, la police a voué a ban série de belles messages, la police a dit nous, yo gen contrôle ceci et maintenant joine monsieur gang yo qui a crasé et bien et commissariat, nèg a vidé commissariat à terre. Ah oui, nèg a vidé commissariat à terre et puis la police même a dit bay belles messages pour mon monsieur et faut que nous supporter et sinon pas supporter, li pa dis li pa date mais là nous c'est pas le cas, c'est gang yo kap dominé c'est même kap frappé bon moun kap frappé et les pour nous dire non ouais kap frappé média traditionnel là me comprendre mais les ko gade jeune nèg ça ou gade là yo même c'est nèg vivant sans yo c'est nèg village de Dieu yo OK la, l'état pa gen kòb pour capable mettre raid sous police l'état pa gen kòb pour l'habiller police bon nèg ça fait corps spécial yo son face pour dire si l'état te vle yo te capable mettre l'argent disponible former une série de corps spécialisés pour te capable bay pays à sécurité mais c'est pas ça que nous fait affaire pas nous pendant que nèg vivent ensemble yo même et mais yo gen belle équipe yo et mais zam coquet valise y a craser commissariat. Les choses sont compliquées. Donc, je te dis où? Donc, nous avons Kamala. Femme spéciale là. Yon femme que moun ap manke. L'élection ça a fini. Eh bien, et Kamala te fait hier yon dernier discours super intéressant que ou même ou ta doué tadel ou ta doué tadel li. Parce que et Kamala te dit en pile causé. Donc, au commencement et eh bien yote en abord c'est là et c'est en abord que yote yote a fait dernière campagne yo hier c'est dernière campagne chaque côté passé là c'est dernière fois yo pas tourner là encore jodi à la après-midi là Kamala Harris li doit dans North Carolina toujours dans campagne mesdames et messieurs donc vidéo ça pour disponible demain l'app disponible et puis on va voir demain matin donc tout de suite nous prenons le temps de Kamala Harris et attendez comment Elon Musk lui même l'a profité là pour qu'a faire coblio et pour qu'il s'aille rejoindre Donald Trump pour ça l'a dépenser toute million ça nous prenons attendre ça bien rapide après que on fin d'entendre Kamala Harris et tout de suite nous capable garder eh bien et plusieurs citoyens et nous capable garder entièrement femme vaillant et Milouri qui chantait jeudi mercredi à malgré de l'eau nanger et code dans senti divers citoyens maman famille zamil à Jean-Bé Sapio Talrenli yon dernier hommage, yon cérémonie qui déroulait en présence Madame Widlin Pierre et Pasteur Moïse, élève l'école yo pour citer ça yo seulement, mesdames et messieurs. En attendant, et ça yo yon après l'autre. Et pas oublier, la gueule like là, s'il vous plaît, en bas vidéo et partagez. Towns everywhere in between, Coach Walls is always bringing the joy. He is always bringing the joy. He cares about people. He understands people. He understands hard work. And he understands what it means to be a leader who lifts people up instead of trying to beat people down. That is Tim Walls. And Ann Arbor, I can feel the joy tonight. Thank you all so very much. Thank you so very much.
Voting has started here in Michigan. You can vote early now through Sunday, November 3rd. And we need you to vote early, Michigan, because we have just 8 days to go, 8 days left in one of the most consequential elections of our lifetime. And as everybody here knows, this is going to be a tight race until the very end. So we have a lot of work ahead of us. But we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. Yes, we will. And we will win because together. And we will win. Yes, yes. But one of the reasons we will win is because we are all in this together. We are all in this together. People from every walk of life, understanding that the vast majority of us have so much more in common than what separates us. And we here are fighting for the future. We are fighting for the future. And we understand the opportunity that we have before us. For a decade because of Donald Trump. We have an opportunity to turn the page and chart a new and joyful way forward where we tap into the ambitions. There is a yearning in our country for a president who will see you, who gets you, and who will fight for you. And listen, hey, on the subject of Gaza, hey guys, I hear you. On the subject of Gaza, we all want this war to end as soon as possible and get the hostages out, and I will do everything in my power to make it so. And let's be clear, we are on here because we are fighting for a democracy and for the right of people to be heard and seen. We're not about the enemy within. We know we are all in this together. That's what we are fighting for. And my whole career, okay, now I want each of you to shout your own name. Do that. Because it's about all of us. It's about all of us. And listen, I have fought my whole career to put the people first and to put the people above partisanship. I never once asked in my career, are you a Democrat or are you a Republican? The only thing I ever asked is, how can I help you? Are you okay? And that...
And that is a major difference between Donald Trump and me. And between the two extremely different visions that he and I have for our nation. His is focused on himself and the past. Ours is focused on the future, and it is focused on the people. So together we will build a future where we bring down the cost of living. That will be my focus every single day as president, because while inflation is down and wages are up, prices are still too high. You know it and I know it. And unlike Donald Trump, who had $400 million handed to him on a silver platter, and don't forget he filed for bankruptcy 6 times, the great businessman. Unlike him, I grew up in a middle-class neighborhood with a working mother who kept a strict budget and did everything she could to make sure that my sister and I had all we needed. I come from the middle class, and I will never forget where I come from. Never. And so my common sense plan will lower the prices you pay on everything from prescription medication to groceries to housing. On the other hand, Donald Trump will raise costs on you and your family. In fact, independent economists have analyzed both of our plans and found mine will cut your costs and strengthen our economy, while his will increase inflation and lead to a recession by the middle of next year. And his agenda is laid out in Project 2025. You know, I say everywhere. And I know we've got a lot of students here, and I have to tell you, I just find it really interesting that they put that thing in writing. They put it in writing. They bound it. They published it. They handed it out. And then they expect we're not going to talk about it? Are you kidding me? And when you read it, you will see it is a detailed and dangerous blueprint for what he plans to do if he is elected president. Donald Trump will impose a 20% national sales tax on everyday basic necessities, which economists have estimated will cost the average American family an additional $4,000 a year. Contrast. On the other hand, I'm going to take on corporate price gouging. I've done it before and I will do it again. Donald Trump will give massive tax cuts like he did before to billionaires and the biggest corporations. He did it the last time. He's going to do it again. I, on the other hand, will give middle-class tax cuts to 100 million Americans, including $6,000 for the first year of a child's life, because I understand how that will lift America's children out of poverty, which must be one of our highest goals. Donald Trump will get rid of the $35 a month cap on insulin for our seniors. He will cut Medicare and Social Security. In fact, economists say he will bankrupt Social Security in the next 6 years. And understand what that means. So many of the seniors in America, that's their only source of income. That's the only way they're able to pay their rent and buy food. I have a plan to support our seniors so they can grow older with dignity and so their families are not overwhelmed by the cost of home health care. On top of that, my plan will bring down the cost of housing, cut taxes for small businesses, because small businesses are the backbone of our economy. And lower health care costs, because I believe health care should be a right and not just a privilege of those who can afford it. Donald Trump, on the other hand, intends to end the Affordable Care Act and take us back, which would take us back to a time when insurance companies could deny people with pre-existing conditions. You remember what that was like? Well,
We are not going back. We are not going back. We are not going back. Because we together will move forward to the future because we believe in who we are and what is possible and because we know it is time to turn the page. It is time to turn the page. Ours is a fight for the future. And it is a fight for freedom. Like the fundamental freedom of a woman to make decisions about her own body and not have her government tell her what to do. And we all remember how we got here. When Donald Trump was president, he hand-selected three members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did as he intended, and now in America, one in three women lives in a state with a Trump abortion ban. Many with no exceptions, even for rape and incest. I was just in Texas the other day. You know they provide prison for life for doctors and nurses and healthcare providers for providing care. Prison for life. And no exceptions for a crime that is a violation of someone's body, and then to tell that survivor of that violation, you have no right to make a decision about what happens to your body next? That is immoral. It is immoral. And I know we all agree, one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree the government should not be telling her what to do. Not the government. And listen, you all have heard me say, I do believe Donald Trump to be an unserious man, but the consequences of him ever being president again are brutally serious. Brutally serious. Consider, on the topic we were just discussing, Donald Trump still refuses to acknowledge the pain and suffering he has caused. He insists that, quote, everyone wanted for Roe v. Wade to be overturned. Everyone wanted this? Women are being denied care during miscarriages, some only being treated when they've developed sepsis. They didn't want this. Couples trying to grow their family have been cut off in the middle of IVF treatments. They didn't want this. The men of America are seeing their daughters and wives and sisters and mothers put at risk because their rights have been taken from them. The men of America don't want this. And women have died because of these bans. How could anyone say these folks wanted this? And I pledge to you, when Congress passes a bill to restore reproductive freedoms, as President of the United States, I will proudly sign it into law. Proudly. Proudly. And I'm traveling our nation, so I have to tell everyone here, across our nation, we are seeing a full-on assault on other and additional hard-fought, hard-won freedoms and rights. Like the freedom to vote. I was just in Georgia. You know they passed a law that makes it illegal to give people food and water for standing in line to vote? The hypocrisy abounds. Whatever happened to love thy neighbor, right? Attacks on the freedom to be safe from gun violence, the freedom to breathe clean air and drink clean water, the freedom to love who you love openly and with pride. So I say to everyone here what you know. Generations of Americans before us fought for freedom. And now the baton is in our hands. The baton is in our hands. And I want to speak specifically to all the young leaders, all the students who are here today. I want to speak to you for a moment.
So I love your generation. I really do. And one of the things about it is you are rightly impatient for change. I love that about you. You are impatient for change. Because look, you have only known the climate crisis and are leading then the charge to protect our planet and our future. You young leaders who grew up with active shooter drills and are fighting then to keep our schools safe. You who now know fewer rights than your mothers and grandmothers are standing up for reproductive freedom. And for you then, I know that these issues that are at stake, they are not theoretical. This is not political for you. It is your lived experience. And I see you. And I see your power. And I know many of you are voting for the first time. Can I see a raise of hands? Who's voting for the first time? Can we hear it for our first-time voters? That's why I know the future of our country is bright. That's why I know. So listen, so much is on the line in this election, and this is not 2016 or 2020. We can all see that Donald Trump is even more unstable and more unhinged, and now he wants unchecked power. And this time, there will be no one there to stop him. Not even the Supreme Court, which months ago told the former president that he is essentially immune no matter what he would do in the White House. So think about it. Before, at least there was the threat, the possibility that there would be some accountability and consequence. Now the Supreme Court has said he is effectively would be immune. So just imagine Donald Trump with no guardrails. He who has vowed he would be a dictator on day one. He who has even called for, quote, the termination of the Constitution of the United States of America. And let us be clear. Anyone who suggests we should terminate the Constitution of the United States should never again stand behind the seal of the President of the United States of America. Never again. Never again. Never again. So, Michigan, there is a huge contrast in this election, and I'd ask us to just imagine the Oval Office in 3 months, okay? So just picture it in your head. So either it's Donald Trump sitting in there, stewing over his enemies list, or me, with your help, working for you, checking off my to-do list. So Michigan, it all comes down to this. We are here together because we know what is at stake. Everyone here, out of your busy lives, the time you have taken to be here tonight, and to be here because we know not only what is at stake, but we are here together because we love our country. We love our country. We love our country, and you know when you love something, you gotta fight for it. Ours is not a fight against something. Ours is not a fight against something. It is a fight for something. And I do believe it is one of the highest forms of patriotism, love of our country, to then fight for the ideals of our country and to fight to realize the promise of America. That's what our campaign is about.
That's what we are about. And one of the most powerful ways that we will do that is with our vote. So now is the time to get out the vote, Michigan. Now is the time. And we have 8 days to get this done. So obviously, nobody here is going to sit on the sidelines. And let's make sure that we spend the next 8 days knowing that in 9 days, when we look back, we will be able to say and know we did everything we could to remind our friends and our classmates and our neighbors and our coworkers that we're all in this together. You know, there's been something about this Trump era has been very backward in terms of trying to suggest that the measure of the strength of a leader is based on who you beat down, instead of what we all know. The true measure of our individual and collective strength is based on who we lift up. That's what we are about. And over these next 8 days, yes, we will win. Yes, we must win. But let's also approach these 8 days knowing our power to build community, knowing our power to build coalitions, knowing our power to reach out to one another, reminding us that nobody is alone, that we are all in this together. And let's do that then while we knock on doors, while we take the time to text and call potential voters. Let's reach out to our family and our friends and our classmates and our neighbors and make sure they know the stakes in this election. And let's remind them, your vote is your voice and your voice is your power. And so, Michigan, I then ask you, are you ready to make your voices heard? Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. God bless you, and God bless the United States of America. Elon Musk, torse bombé, monte sur la scène du Madison Square Garden. Le patron de Tesla, casquette Make America Great Again, vissée sur la tête, est acclamé par la foule. Mais Elon Musk, c'est un enthousiaste, il n'est pas très très stable, peut-être il prend un petit peu de cocaïne, et il découvre quelque chose qui est fabuleux, les meetings politiques avec Trump. Et donc, comme un gamin, il se fait plaisir, il saute, c'est un petit peu ridicule, mais il saute, il lève les bras en l'air, il pousse des cris. Le 20 octobre, Elon Musk lance une loterie dans les 7 états clés. Il promet de verser chaque jour 1 million de dollars à un signataire d'une pétition visant à protéger le premier et le second amendement de la Constitution des États-Unis, cher aux républicains. Une manière de convaincre les indécis et pour lui, de mettre en avant ses idées libertariennes. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. Et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. C'est ce qui a fait la grandeur de l'Amérique. Le pays de la liberté et des opportunités. Si Elon Musk se sert de Donald Trump pour diffuser ses idées, le candidat à la Maison Blanche use de l'influence du richissime Californien pour attirer des électeurs. C'est très bon pour Trump parce que Musk a une image fabuleuse. C'est quand même l'homme le plus riche de la Terre. Il a tout réussi, Tesla, etc. Pour ces gens qui viennent au meeting, voir que cet homme si brillant, qui a tout réussi, soutient Trump, ça fait bénéficier Trump d'une sorte d'aura de légitimité. Si Musk le soutient, c'est que Trump ne peut pas être si mauvais que cela. Le résultat de la présidentielle américaine reste très incertain, mais la loterie d'Elon Musk, qui devait durer jusqu'au 5 novembre, est déclarée illégale. Le procureur de Philadelphie a porté plainte contre l'homme de 53 ans.
Pourquoi Elon Musk veut-il faire gagner Donald Trump ? On en débat avec Boris Malanti. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du service économie au Nouvel Obs, spécialisé nouvelles technologies. Et vous publiez Elon Musk, le bonimenteur. C'est aux éditions du Rocher. Yann Chantrel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur socialiste des Français établis hors de France. Marjorie Paillon, bonsoir. Hello. Bienvenue, journaliste spécialiste de la vie politique américaine. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir. Toujours là, évidemment, éditorialiste politique. À mes côtés, cette semaine, les mardis et jeudis, pourquoi Boris Malanti s'engage-t-il aussi fortement pour Donald Trump ? Est-ce que c'est par conviction idéologique ou par intérêt économique ? C'est une vaste question. Mmh. S'il y a une constante dans la vie d'Elon Musk, c'est que tout ce qu'il fait, c'est pour son intérêt. C'est pour l'intérêt de ses entreprises et par extension, sa fortune personnelle. Donc là, il y a effectivement un recoupement idéologique où il rejoint des idées défendues par Donald Trump, évidemment. Mais derrière, il y a un calcul politique plus ou moins flagrant, qu'on peut détailler, aussi bien pour influer sur le programme, sur les voitures électriques, que pour essayer de prendre un peu la main sur les administrations américaines qui enquêtent fortement sur ces entreprises. Ouais, on y reviendra évidemment. Elon Musk, dont la fortune est aujourd'hui évaluée à 200 milliards d'euros et qui pourrait devenir, regardez ces chiffres, le premier trillionnaire, c'est-à-dire 1000 milliards. Dès 2027, il continue de s'enrichir au même rythme. Bon, c'est évidemment vertigineux, on a même du mal à comprendre ces chiffres. Et donc, remettre $1 million par jour, on l'a vu hein, dans une campagne électorale, évidemment, ça ne lui fait pas peur. Cette loterie électorale que le procureur de Philadelphie a décidé d'interdire, Yann Chantrel, c'est quoi pour vous ? Est-ce que c'est le symptôme d'une démocratie américaine qui est quand même malade ? Je pense que même au-delà de ça, c'est le symptôme d'un capitalisme dérégulé, mondialisé. Je pense qu'il en est la parfaite incarnation. Et Trump également, dans son amoralisme total, ce capitalisme où l'argent pour faire de l'argent, en fait, parce que c'est ça, parce que ça a été très bien dit par monsieur. Le seul intérêt de ce monsieur, c'est uniquement son portefeuille et de faire du profit. C'est la seule chose qui compte, parce que ses idées, elles ont pu bouger, parce qu'à un moment donné, il a même financé les démocrates quand il considérait que c'était son intérêt de les financer. Il faut voir que ces personnes-là ne raisonnent uniquement par intérêt économique. Son intérêt du moment, effectivement, c'est de soutenir Donald Trump, parce qu'il sait qu'aussi, au sein des démocrates, on souhaite justement remettre en place des lois antitrust. On souhaite déréguler, on souhaite déconstruire ces empires qui ont maintenant plus de pouvoir que des États, à tel point que maintenant, ils n'ont même plus peur de financer secrètement des campagnes, ils le font à visage découvert. C'est-à-dire que c'est vous montrer dans quelle dérive nous sommes amenés. C'est-à-dire qu'en fait, la corruption, elle est à visage ouvert, elle est maintenant publique, et je pense que ça, c'est le pire de scandale. Ils attaquent le système électoral américain qui l'autorise. Et la décision d'il y a 15 ans de la Cour de suprême, on est en train de le payer, justement, avec les super PAC qui sont financés de manière quasi illimitée par ce type d'individu. Ça, c'est une dérive vers laquelle il ne faut surtout pas aller, la dérégulation, parce que quand vous permettez à ceux qui font toujours plus, il y a un filtre dans la démocratie américaine qui est un filtre par l'argent, qui a toujours été le cas, qui est encore beaucoup plus fort. Donc le mythe des entrepreneurs qui sont partis de zéro watt et qui pourraient devenir président, ça n'est qu'un mythe. Ce sont que des gens qui sont ultra riches. Trump lui-même est un ultra riche, qui peuvent éventuellement espérer la victoire à la fin. Pour intégrer Elon Musk dans cette famille des géants de la tech, est-ce que c'est le seul à soutenir à ce point Trump ? Avoir intérêt à une victoire de Trump, Marjorie Paillon. Il y a un épisode qui s'est passé en 2016. À l'époque, on est en décembre, Donald Trump est president-elect, président élu, comme on dit aux États-Unis, et il convie tous les patrons de la Silicon Valley à la Trump Tower à New York, sachant que l'ensemble de la Silicon Valley en 2016 a fait campagne pour Hillary Clinton contre Donald Trump, surtout notamment sur les sujets d'immigration, puisque l'ensemble de la Silicon Valley a besoin des talents de l'immigration pour pouvoir produire de l'intelligence artificielle, des devices, des voitures électriques ou encore des satellites. Et il y a un homme à la manœuvre qui s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel, c'est un des plus gros investisseurs, non seulement de la Silicon Valley, mais surtout de la côte Est aujourd'hui, puisqu'il ne vit plus à San Francisco en l'occurrence, comme Elon Musk qui vit en l'occurrence au Texas aujourd'hui. Et Peter Thiel connaît très bien tout le monde, notamment Elon Musk, puisque c'est avec Elon Musk qu'il a fondé PayPal et financé PayPal, le système de paiement, au tout début des années 2000. Et le point de départ de la fortune d'Elon Musk. Absolument. En ce jour de décembre 2016, Donald Trump somme l'ensemble des patrons de la vallée à venir le rejoindre à New York
pour discuter avec eux. Alors, pendant tout un week-end, ils passent des coups de fil, ils savent pas très bien sur quel pied danser, est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils y vont pas. Ils finissent quand même par y aller. Il y a un tour de table qui est ubuesque, où on voit une image de ces patrons qui sont finalement au garde-à-vous devant Elon Musk, devant Donald Trump. Vous voyez, vraiment, le lapsus est tellement petit. Je vais le faire plusieurs fois pendant le débat. Ça me fait plaisir. Ils ont une sonorité de nom qui est un peu la même. Et finalement, en réalité, la morale de tout ça, c'est que devant les raisons du business, les valeurs politiques s'effacent. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ces patrons-là, ils savent en effet qu'ils ont besoin d'avoir un pouvoir à leur côté pour éviter des tentatives de dérégulation. Alors, c'est intéressant, sur le rapport de force peut-être, on essaye, alors notre débat il est centré sur la personnalité d'Elon Musk et sur ses relations avec Donald Trump. Donc, sur leur rapport de force, vous racontez dans votre livre une histoire quand Trump est président, il est à la Maison Blanche et on a Elon Musk qui vient quoi ? Qui vient quémander des subventions en quelque sorte, c'est ça ? C'est ce qu'a raconté Trump, oui, parce que l'expérience s'est mal finie entre les deux à ce moment-là. Ouais. Ils se sont très vite brouillés et Musk a quitté le comité assez vite en claquant la porte sous prétexte de manifester son mécontentement de la sortie des États-Unis des accords de Paris. Et à l'époque, en tout cas, Donald Trump a dit qu'il se mettait à genoux et là. Multiplier les insultes à l'égard d'Elon Musk. Visiblement, ils se sont bien réconciliés. Oui. Ils ont eu une bonne entente entre-temps. Et là, on voit clairement qu'Elon Musk a un poids et une vraie influence sur Donald Trump en ce moment, sur son programme, quelque chose de tout simple. Depuis qu'il le soutient officiellement, depuis qu'il l'a rallié, Donald Trump, qui était systématiquement dans le dénigrement des véhicules électriques, qui voulait revenir sur les politiques mises en place par les démocrates, notamment une prime à l'achat, a dit « Non, maintenant je soutiens les véhicules électriques, j'ai pas le choix, Elon Musk me soutient, il faut que je lui dois bien ça ». D'accord. Alors, il y a aussi une question qui me semble très intéressante, c'est la question du fonctionnement de l'État fédéral, le poids de l'État fédéral sur la vie quotidienne des Américains. Et là-dessus, Donald Trump, s'il est élu, a annoncé qu'il va confier une mission à Elon Musk. Alors, on va écouter les deux hommes sur ce thème. D'abord, Trump, c'est lors d'un discours à New York, c'était le 5 septembre, quand il parle de son programme économique, il est devant un parterre de chefs d'entreprise. Je mettrai sur pied une commission gouvernementale chargée de conduire un audit complet en termes financiers et de performance de la totalité du gouvernement fédéral en vue de faire des recommandations pour des réformes draconiennes. Nous devons le faire. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et Elon a accepté d'être à la tête de cette commission. Et Elon, parce qu'il n'est pas très busy, a accepté de head that. And I've had many conversations with President Trump. Oui, j'ai eu de nombreuses conversations avec le président Trump, qui est tout à fait d'accord pour dire que nous avons besoin d'une réforme gouvernementale importante. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. And have America be the land of liberty. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. C'est quand même assez dingue, Yann Gentrel, d'entendre une phrase pareille, quoi. C'est assez dingue, mais quelque part, ça parle aussi aux Américains. Les Américains aussi, je ne dis pas, sont construits. Mais d'ailleurs, c'est assez... C'est un pays que vous connaissez très bien. Oui, vous que je connais très bien. Je connais beaucoup de gens qui y vivent actuellement aux États-Unis, voire qui sont engagés dans la campagne, parce qu'il faut voir aussi qu'il n'y a pas que la campagne présidentielle. Je pense que c'est un élément important à avoir en tête. On parle beaucoup de l'élection présidentielle, mais le pouvoir, il est aussi au Parlement, qui plus est aux États-Unis. Et là, il y a un enjeu majeur, parce que le Parlement, le Sénat notamment, peut également basculer en faveur de Donald Trump. Ouais. Surtout qu'il a ratiboisé tous ceux qui s'opposaient à lui dans les législatures précédentes. Donc là, il aurait encore plus un Parlement à sa main qui est un véritable contre-pouvoir. Alors sur le désengagement de l'État fédéral. Alors après, on est dans un pays qui est très particulier, qui est pour le coup très déconcentré, où il y a beaucoup de pouvoir qui va également aux États fédérés. On est dans un État fédéral. D'ailleurs, le président des États-Unis, souvent on s'offusque par rapport au mode d'élection, mais il est avant tout élu des États. C'est pas la population américaine. Pour que les États soient fédérés, il faut qu'ils puissent être représentés, sinon ils ne se fédéreront plus et risque d'y avoir des scissions, d'où l'importance qu'ils soient représentés à égalité. Alors après, ces discours anti-establishment, on les a tous connus dans il y a la haine de Washington, entre guillemets, quand on est à l'autre bout de la côte, ça paraît lointain également. Donc ils parlent également aux gens en disant, dans cette culture américaine, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Américains qui sont venus, les pionniers, sont venus en plus, et c'est ça qui est paradoxal, ils se sont construits contre les monopoles qui étaient les monopoles de la bourgeoisie
bourgeoisie européenne. Eux, ils ont voulu repartir justement sur des États beaucoup plus égalitaires, dans le sens on brise les monopoles, et on est dans un paradoxe flagrant que finalement, ils n'ont jamais été aussi puissants et aussi forts. Et le double discours, c'est d'envoyer un genre de message, le pouvoir va être plus, au plus près de vous, Washington accapare les pouvoirs. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Washington n'intervient pas autant que ça dans la vie des gens. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup d'États fédérés qui interviennent. Et avec quand même un paradoxe ou, je ne sais pas, un double discours, Boris Manonti, chez Elon Musk. Il se présente comme un libéral, voire un libertarien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de son succès de business et de ses liens avec l'État fédéral, justement ? Ses entreprises, SpaceX ne repose quasiment que sur les contrats américains, de l'État américain. Oui. Tesla a été très largement subventionné. Rien que l'année dernière, les entreprises de Musk, on est autour de 3 milliards de subventions. Il y a des subventions à l'installation de nouvelles usines régulièrement, notamment au Texas. C'est un empire qui s'est bâti sur les subventions publiques. Il ne vit qu'avec l'argent public à la base pour créer ses entreprises et ses succès. Ouais. Donc c'est clairement très paradoxal. Oui. Et il y a un conflit d'intérêts majeur sur cette commission que pourrait lui confier Donald Trump, dans le sens où ces entreprises sont sous le coup d'une vingtaine d'enquêtes administratives, aussi bien sur la sécurité des Tesla que les dégâts environnementaux causés par les fusées SpaceX. S'il était à la manœuvre, en tout cas, pour contrôler les administrations, il pourrait couper les budgets des administrations qui font des enquêtes sur ces entreprises. Marjorie Paillon, ça veut dire que cette commission, elle est quoi ? Elle est imaginée sur mesure pour Elon Musk ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelque part, oui. Je pense que là, on est vraiment devant deux égaux qui font de sur-mesure de circonstances. D'abord parce que on verra bien jusqu'à quel moment cette bromance entre Donald Trump et Elon Musk... Oui, on a vu qu'ils pouvaient s'insulter aussi. Avant de se tomber les bras dans les bras l'un de l'autre, ils se détestaient copieusement. Boris le rappelait. Mais Donald Trump a lancé des attaques fulminantes contre Tesla et les voitures électriques parce que le changement climatique n'existe pas, c'est bien connu. Elon Musk, de son côté, ne se privait pas pour dire que Trump ne représentait certainement pas les valeurs américaines. Donc vous lui dites, attention, ça va peut-être pas durer... Ça va durer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'intérêt à ce que ça dure, en réalité. C'est un mariage de circonstances. Mais un mariage de circonstances en grande pompe, avec un show à l'américaine permanent, à tel point qu'on se demande si... Aujourd'hui, il n'y a pas un dark vice-président, puisque vous le savez, quand Elon Musk s'est présenté au meeting de Butler, qui revenait sur les traces du meeting où Donald Trump a subi une première tentative d'assassinat le 13 juillet dernier, il s'est présenté avec une casquette « Make America Great Again » en noir et disait « I'm dark MAGA, je suis le MAGA noir, je suis le chevalier noir MAGA ». Donc voilà, est-ce que ce n'est pas en fait le véritable dark vice-président de Donald Trump ? C'est une vraie question, puisque J.D. Vance est finalement... Il est présent sur cette campagne, bien évidemment, le vice-président sur le ticket républicain, mais on a quand même l'impression qu'Elon Musk... Médiatiquement, Elon Musk prend de plus en plus ceci de place. Ceci dit, J.D. Vance, c'est extrêmement intéressant parce qu'on parlait des libertariens, on parlait de Peter Thiel tout à l'heure. Il se trouve que tout sénateur de l'Ohio qu'il est, il ne le serait jamais devenu si Peter Thiel lui-même n'avait pas injecté 45 millions de dollars dans sa campagne. Il a été élu donc sénateur de l'Ohio en 2022 et lui et Peter Thiel se connaissent depuis très longtemps, notamment parce que lors de ses études de droit, il rencontre Peter Thiel qui vient faire un discours dans son université. Et là, il tombe en amour, comme diraient les Canadiens, les Québécois en tout cas, devant Peter Thiel et sa philosophie libertarienne, à tel point que Thiel lui donnera la coprésidence dans ses fonds d'investissement et puis investira dans ses premières startups. Donc on se demande là, au moment où on se parle, si Peter Thiel, la PayPal Mafia et Elon Musk n'attendent pas un retour sur investissement, comme on dit dans la vallée. Oui, effectivement, c'est une des hypothèses qu'on peut raisonnablement analyser ce soir. Dans cette campagne électorale, il y a aussi évidemment le réseau social X, l'ancien Twitter, le réseau social X qui appartient aujourd'hui à Elon Musk, qui pèse très lourd. Et Émilie, il s'est révélé être finalement Musk à une sorte de... porte-parole d'un certain nombre de thèses complotistes, notamment de l'extrême droite. Oui, au départ, l'idée, c'est de répondre à sa valeur absolue. Hein, vous en avez parlé, la liberté de parole absolue, même si c'est à géométrie variable. Donc, une fois l'achat de Twitter réalisé en 2022, et après avoir consulté ses abonnés, il réhabilite quelques 10 000 comptes qui avaient été suspendus. Évidemment, celui de Donald Trump, qui avait été banni du réseau social après l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021. Mais il remet aussi en ligne les comptes de Marjorie Taylor,
Taylor Greene, députée républicaine qui relaie des rumeurs anti-vax, James Lindsay, un idéologue homophobe, ou encore celui d'un militant d'extrême droite, rédacteur de The Daily Stormer, le plus influent site néo-nazi américain. Il se base aussi sur les réponses de ses abonnés, hein, c'est le gage. Il réactive le compte de l'américain Alex Jones, fondateur du site Infowars, figure de proue du complotisme en ligne et de l'extrême droite américaine. L'homme, notamment, avait prétendu que la fusillade de Sandy Hook en 2012, donc dans une école du Connecticut, 26 personnes qui avaient été tuées, eh bien, il prétendait que c'était une mise en scène pour promouvoir le contrôle renforcé des armes à feu. Effectivement, Elon Musk qui relaie lui aussi directement un certain nombre de ces... Oui, il relaie, il retweet des fausses informations sur les machines à voter, par exemple, qui avaient été utilisées, qui auraient été utilisées à Philadelphie en 2020 et qui auraient bénéficié à Biden. Pourtant, cette thèse avait été démentie, elle avait même été l'objet d'une grosse amende qu'avait reçue Fox News, 800 millions de dollars. Il assure que, tout simplement, que les démocrates font venir des migrants illégaux qui, une fois nationalisés américains, peuvent voter, évidemment, pour Kamala Harris. Il n'hésite pas aussi à voler au secours d'Alain Soral, suite à sa condamnation pour insulte homophobe à l'encontre d'une journaliste suisse. Il avait eu 60 jours de prison ferme. Ce qu'il a écrit était certes grossier, mais de là à en faire un délit pénal, avait tweeté Elon Musk, on parle de l'insulte grosse lesbienne. Il invite aussi ses abonnés à suivre le lapin blanc. Alors là, c'est une petite métaphore qui est connue justement dans les milieux complotistes. En gros, c'est pour arriver dans un monde alternatif où on obtient toute la vérité, la grande vérité. Et il dit qu'il faut prendre la petite pilule rouge imaginée dans le film Matrix, même objet, c'est avoir cette vérité qu'on ne nous donne pas. Et puis alors, vous avez cité Alain Soral, donc la France. Il y a d'autres éléments qui nous concernent directement. Plus près de nous, au-delà d'Alain Soral, il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il avait participé avec d'autres voix françaises à considérer que le tableau qui évoquait la scène était extrêmement irrespectueux envers les chrétiens. C'était tel qu'il l'a écrit, en anglais évidemment. Il a qualifié la prestation de Philippe Catherine de christianisme édenté. Alors moi j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Enfin j'ai compris que c'était contre le christianisme. Et en septembre dernier... C'est drôle, hein. Mais oui, c'est assez drôle en fait. Voilà. C'est pas notre débat. En septembre dernier, il a réagi aussi sur X à l'incendie de l'église de Saint-Omer, alors que la cause n'était pas connue. D'abord, c'est parti d'un post de Peter Sweden, un certain Peter Sweden qui écrit « Notre église française est en flammes. Celle-ci date de 1854 et a survécu à deux guerres mondiales. Pourquoi ça continue d'arriver? Les médias ne vous montreront pas ça. » Musk lui avait répondu en disant « Is this definitely arson, ça veut dire est-ce que c'est vraiment un incident criminel ? Et en gros, ce poste qui était un petit peu d'origine complotiste a été vu par près de 10 millions de personnes. Donc cette puissance de frappe, évidemment, elle est énorme, même si Twitter est un peu moins fort que Twitter X, pardon, que Facebook et que Instagram. Lui, il a pas moins de 200 millions d'abonnés. Et puis il a mis fin, hein, je l'ai pas précisé au départ, mais à la modération. Donc finalement, toutes les thèses, elles... Oui, il y avait déjà pas beaucoup d'argent mis par Twitter avant. Ouais, mais alors là, il n'y a vraiment quasiment plus. Toutes les thèses les plus farfelus, les plus racistes peuvent s'épanouir pleinement et même pas entre les lignes. Donc finalement, d'un entrepreneur génial, hein, parce qu'il est quand même ça aussi, il est devenu un acteur puissant, vous l'avez dit, hein, plus puissant que certains États, capable de propager toutes les thèses qu'il veut des plus complotistes ou extrémistes. Pour conclure, c'est pas le seul à mettre cette stratégie. Mais non, il y en a d'autres, on en a parlé, un patron de médias finalement, on parlait de Rupert Murdoch avant, mais chez nous-mêmes, Vincent Bolloré, hein, qui avec son empire médiatique est au service finalement de l'extrême droite. Mais la différence, c'est que c'est pas un média, hein, X, c'est véritablement libre, c'est encore plus libre que des médias qui quand même sont contrôlés, et on l'a vu pour Vincent Bolloré. Là, la liberté du réseau qu'il gère est telle que rien, finalement, ou presque, ne peut l'arrêter. Est-ce qu'il est obsédé par cette lettre X, Marjorie Payet? Il est obsédé. Vous avez vu Elon Musk sautillant sur scène plusieurs fois, quand il saute, je vais essayer de le faire en même temps, quand il saute comme ça avec les bras en croix, c'est pour faire la lettre X, justement. D'accord. C'est un petit jeu auquel il s'est mis. Et ses enfants aussi, qui sont... Alors, il y a du X un petit peu partout. Il y a notamment une des sociétés qu'il a fondée, qui pour l'instant reste très mystérieuse, qui s'appelle X.AI, qui est une société d'intelligence artificielle dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, parce que vous le savez, c'est aussi mué en chevalier noir de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est une technologie qu'il adore détester. Il en est à son 600e épisode de lettres ouvertes ou d'appels au gouvernement et aux intellectuels de ce monde pour se monter contre l'intelligence artificielle. Et en gros, ce qu'il joue, lui,
lui, c'est le match augmentation des machines contre l'augmentation de l'homme. Vous savez qu'il a notamment une autre société qui s'appelle Neuralink, qui elle travaille sur des puces, des implants neuronaux pour augmenter et réparer le cerveau et les capacités humaines. Donc il ne faut pas oublier non plus que, je ne veux pas faire de parallèlement en contre, mais que Elon Musk est né en Afrique du Sud, dans une famille croyant à l'apartheid, en tout cas du côté de son père, que c'est un fervent partisan du port d'armes et qu'il a acquis depuis deux autres nationalités en plus de la nationalité sud-africaine, canadienne et américaine. Ce qui est assez intéressant dans sa croisade, au-delà de la croisade anti-woke, c'est devenu un point, on peut dater au tweet près le moment où Elon Musk embrasse cette cause anti-woke, au moment où un de ses enfants... On racontera l'histoire de son fils, de Viviane. Au-delà de cette question-là, sa croisade contre l'immigration illégale, puisque je vous le rappelle, 2016, il fait corps avec l'ensemble des patrons de la Silicon Valley pour dire on a besoin d'immigration, ce sont des talents dont on a besoin, justement pour l'industrie tech. Et aujourd'hui, c'est un des champs contre l'immigration illégale, justement, et ça fait aussi partie d'une de ces rhétoriques désormais. Il s'est donc mué, en effet, totalement en patron d'une plateforme qui devient de plus en plus d'extrême droite. Je rappelle en même temps qu'un des features qui est en train d'être bloqué sur X en ce moment, c'est notamment le fait de ne pas pouvoir signaler ni bloquer des utilisateurs ou utilisatrices qui vous harcèlent. Vraiment dans la parole de liberté d'expression, de haine, etc., totalement libéré. Vous dites que la prise de contrôle de Twitter à l'époque, c'est une vraie bascule dans l'histoire de Donald Trump. Pourquoi ? Dans l'histoire d'Elon Musk. Oui, on a observé chez lui un glissement. Effectivement, au tweet près, on peut voir un peu comment l'homme évolue. Au moment du Covid, moi je le daterai à ce moment-là, et des confinements décidés en Californie, il s'insurge contre l'État fédéral qui essaie de protéger la population. Et ses proches, en tout cas, commencent à partager qu'il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et les sites de désinformation à relayer toutes les théories complotistes. Et de là, il y a un glissement qui se caractérise, qui prend vraiment forme en 2022 avec le rachat de Twitter. Son biographe officiel, Walter Isaacson, a expliqué que c'est la transition de son aîné qui est devenu femme transgenre, et surtout qui a coupé les ponts complètement avec lui, qui l'a fait basculer dans cette idée de combattre le wokisme. Et donc d'utiliser Twitter, de transformer Twitter en porte-voix des idées les plus conservatrices, les plus d'extrême droite et les plus complotistes. Récemment, il a fait un petit parallèle sur ce que pouvait être Twitter X aujourd'hui, avec la fenêtre d'Overton, ce concept de comment évolue l'acceptabilité de certaines idées, en particulier les plus difficiles par la société, et comment on peut bousculer un tout petit peu les programmes politiques. On a une réaction d'Elon Musk sur cette question du wokisme, puisque vous l'abordez l'un et l'autre. Allez, je fais remonter ce chapitre. Il était invité en Italie par Giorgia Meloni, essentiellement pour parler d'immigration, mais dans sa prise de parole, il s'attaque, je pense qu'on est prêt en régie, merci de me le dire dans l'oreille, il s'attaque à ce qu'il appelle le virus du wokisme, Elon Musk. Et bien voilà, les amis internautes et Trotaï La Caillou. Et maintenant là, nous présents sur le canal Immigration Rivière Massacre, c'est exposition. On connaissait Jodi, Funérailles et Miloui. Donc et bien, c'est assez accueil là. Yo app entrer là pour exposer lui sur le canal là. Donc nous-mêmes, nous présents, là, pour vivre comment ça y est. Les amis internautes ou même qui suivent Trotaï La Caillou. C'est comme ça, et nous avons expliqué nous sous Rivière Massacre, donc Bossa, nous connaissons, et qui travaille ensemble avec lui, et qui n'a pas de difficulté. Sûr que c'est sentiment, je ne peux pas permettre que. Pour Jean-Milou, tu es avec nous, monsieur. Je ne veux pas dire si ça répond. Monsieur, je ne peux pas répondre.
Nous pas comprendre ça, donc en pile émotion, donc non, funérailles, milouris, mais actuellement là nous avons exposition nous sous tête canal, donc bossure vraiment, et avec un pile émotion, et senti tristesse là pour répondre avec question. Et journaliste, même nous présents, pour vivre comme ça. Alors, qui dernier mot qui était pour Boss Milori? Bien, monsieur, nous-mêmes, nous sommes capables de nous saluer la population haïtienne, nous saluer tous les médias, nous saluer la diaspora, nous saluer tout le boss qui est là ensemble avec nous depuis hier soir pour l'ouvrir matin. Et malgré un peu l'émotion, un peu la tristesse, mais nous-mêmes, nous obligés. Et mettez pour apter la caille nous fermer la caille nous pour nous faire parler ensemble avec la presse même les c'est pas cœur qui permet nous mais finalement il faut que nous disions et Milori c'était une femme haïtienne qui marquait fierté toute femme haïtienne et c'était une monde qui était par toutes les mêmes pour permettre que nous mêmes nous réussi patrimoine ça qui c'est canal d'irrigation canal fierté canal dignité qui au bail toute non. Et je vous dis pour permettre que nous te suspendions pour humiliation dans la République dominicaine et pour nous voir comment nous sommes capables de remembrer et ça qui a avec l'agriculture, ça qui a avec la révolution agricole. Là. Mais je vous dis, le plus gros regret pour moi, c'est lorsque Milori a tout courage et il n'est pas encore arrivé à l'inauguration du canal. Là. Ça, c'est un bagage qui frappe nous en pile. Et qui débaille tout lui-même, et ce n'est pas l'argent qui t'imprime pour lui, mais lui-même c'était ouais qui travaille sa réussi. Je ne dis pas, malgré à 90% côté travail arrivé, eh bien Milori n'a pas gagné en ouais, et finalité, il n'a pas gagné en juin inauguration, parce que Milori c'est un homme qui t'a supposé médailler parmi tout le monde qui t'a travaillé. Et dans le canal là. Je ne dis pas, nous disons courage à la famille parce que la vie n'est pas finie. Et c'est un temps pour vivre et un temps pour périr. Et nous-mêmes, nous disons que nous-mêmes, si notre famille Milori était construite dans le canal là, et nous avons toujours été solidaires ensemble avec la famille Milori jusqu'au bout. Même les Milori pas là, mais nous-mêmes, comme famille adoptive Milori, nous avons toujours fait solidarité avec la famille pour nous montrer que Milori. Madame Moudline avec Pasteur Moïse Meni. Pasteur Moïse avec Madame Moudline Meyo. Meyo. C'est belle image, Meni. Pasteur Moïse avec Madame Moudline Meyo. Dodo. Téléphone à moi. Meni. Mes amis. Je
Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça, c'est espagnol. Si vous êtes en anglais, vous marquez subscribe. Si vous êtes en français, vous marquez s'abonner. Cliquez sur le bouton. Ça. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous avez une petite cloche de côté. Cliquez sur la petite cloche là tout. Sous cette cloche-là, vous pouvez abonner automatiquement par sous première option. Vous pouvez flèche-là sous deuxième option. Retirez flèche-là sous deuxième option, mettez-le sous première option et c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que vous montez une vidéo, vous avez besoin de notification. Et puis, pas oublier, là, vous avez un like en bas de la vidéo. Hey guys, ça fait ceci, Maestro Kewil, s'oublier, nous, même cas. Mes amis, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui t'a remérité informé sur toute nouvelle qui a passé à l'étranger. Ou bien en Haïti, eh bien, li pa l'autre côté, c'est branché Chanel pour là qui c'est MPH01. Là, yon bon nouvelle là, sans vous monter clean et puis propre. Et yon informé ou tout sur tout ça qui a passé sous question immigration dans le pays États-Unis. Invitez en mou à l'abonner pour nous, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo Léo Lagué. Yon live deux fois pendant la journée. 7h30 dans le matin et puis 3h30 dans la soirée. Invitez à vous faire ça, c'est un cac vous. Là, quoi de nouvelles là, sans vous remonter. Aïe!